On part sur un exercice sur le jeu de coupe. Ce sera du 2 contre 2. Je serai en passeur. Le but, c'est d'essayer vraiment d'obtenir des paniers faciles après des passes, des cuts. Et c'est surtout de prendre des tirs non contestés. On va essayer de trouver des tirs de qualité. On met à chaque fois deux rouges contre deux blancs. Vous tournez. On le fait en marchant dans un premier temps. Franck, tu me fais la passe. Tu coupes pour avoir la balle au panier. Peut-être c'est possible que je te la mette. Sinon, Alex, tu remontes. Je te fais la passe. Tu ressors de l'autre côté. Ça joue. OK ? Là, libre. Dans un premier temps, essayez de trouver des paniers sans écran. On essaie de trouver des paniers sans écran, que sur du jeu sans ballon. OK ? C'est parti, let's go ! Ça cut, bien, bien, bien. Parfait. Agressif, bien. Bien. Ça renverse, ça joue. Let's go ! Disponible, parfait, bien. Prenez les tirs ouverts. Bien, Vince. On le fait en marchant. Paul, tu me fais la passe. Peut-être c'est ouvert. Il peut y avoir cette possibilité. Si la défense ne regarde pas, passe lobée. Tu viens, Sylvain. Fais la passe. Tu renverses. S'il n'y a rien, si Paul n'a rien, tu peux tout de suite retourner sur du post-up. Et là, la consigne est, on vient pour marquer. S'il y a vraiment un mismatch, on essaie d'y aller. Une fois que tu as fait ta passe, Paul, tu coupes pour donner une solution, OK ? Parce qu'il y aura peut-être cette petite passe à terre, OK ? Bien, Francky, bien. Renverse. Bien. 5, 4, 3. Bien, pris ton temps, parfait. Bien, allez. Let's go, bien, bien, Style, bien, bien, bien. Bien, vas-y. 4, 5, 6, 7. Rebond. Bien. Enchaîne, enchaîne. Faut couper pour avoir le ballon, hein, le premier. Let's go. On essaie de défendre sur ça. Faut avoir, si la passe arrive, faut avoir la capacité. La passe, elle va venir d'ici. Je défends sur Sly. Vas-y, coupe au panier. Je dois avoir cette capacité d'empêcher. Il ne doit pas me passer devant facilement. Parce que là c'est un lay-up. Hein. Ici. OK, on doit contester là. Sauter au ballon en pensant pas de passe lobée. Let's go. Bien, bien. Parfait. Bien, c'est mieux. Bien, bien. 5, 4, 3, 2. On va en 3. Première équipe en 3. Soit les rouges ou les blancs. Parti, let's go. Bien. Dispo, dispo, dispo. 5, 4, 3. Bien. Parfait. Prise de décision rapide. Panier. Check. Paul, tu me renverses la balle. Tu viens poser un flair. Reste là. Tu viens poser un flair screen. La défense, pour le moment, on ne change pas. On reste avec. Ça veut dire que Alex, tu vas faire l'effort de passer avec. Toi, tu dois quand même contrôler ce qui se passe ici, au cas où il y a la passe lobée sur Paul, tout en sachant qu'ici, potentiellement, tu as un shooter. OK ? C'est une situation compliquée à défendre. On ne change pas volontairement dans un premier temps. OK ? En trois points aussi. Une fois qu'il y a l'écran qui est posé, Paul, tu pars obligatoirement au backdoor. OK ? Et moi, je fais la passe, je renverse, derrière, ça joue. OK ? Tu curls à chaque fois. Okay. Dans un premier temps, let's go. Allez, bien, 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 bien l'écran. Let's go. Bien, bien, ça joue. Bien, cadre les appuis. Celui qui curl, si la passe n'est pas possible, il vient, il curl ici et il vient prendre sa position là. Bam, bam, si la balle est renversée, il doit voir tout de suite qu'il y a une position qui est prise. OK ? Parti. Bien, 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 bien. Regarde, regarde. Oui, oui. Parfait. Maintenant, on change. La défense change maintenant. Ça veut dire, qui est sur Alex ? C'est-à-dire que celui qui vient porter le flair, vas-y, bien. Comme ça va changer, il a exactement un avantage pour le flash.
La passe, bien, bien, bon écran, bon écran, bon écran. Ouais, bonne lecture. Parfait, Vince. Bien. Bon écran, bon écran. Attends l'écran. Bien. Ouh. Ouais. Alex, tu l'avais, hein. Vas-y. Bien, parfait. Bon écran. Attends l'écran, Vince. Bien, bien, bien. Bien. Joue-le. Bien, le cut. Oui. Parfait. Dans cet exercice, on va favoriser le jeu de coupe et le jeu de passe avec une collaboration défensive très importante, à savoir est-ce que l'on change ou est-ce que l'on suit sur les écrans. Et au niveau de l'attaque, une lecture offensive à faire, à savoir réagir à ce que la défense va nous donner. C'est un exercice intéressant, notamment pour la fluidité offensive. La mise en place, on met un coach à 45 degrés qui est en position de passeur. La balle lui est renversée par un joueur qui est défendu dans l'axe et un autre joueur qui est à l'opposé à 45 degrés. Le but est d'avoir un renversement de balle rapide, ce qui permet de ne pas geler le ballon, qui est un gros défaut du 3-3, à savoir dribbler sur place pour ne rien faire. On rappelle qu'on est en 12 secondes, la balle doit vivre. Ça ira toujours plus vite par la passe que par le dribble.